Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous m'aviez demandé suite au sondage YouTube. Alors je sais, c'est un sondage qui date de quelques mois. J'ai eu un peu de retard sur mes planifications, mais du coup, eh bien, c'était la vidéo que vous m'aviez le plus demandé. Il y avait Sonia, les barbares, Nazibo et les féticheurs, Karazim et les moines. Et au final, j'avais Léoric et la famille royale de Tristram. Et au final, c'est Léoric qui l'a emporté, donc on va faire une vidéo dessus. Le problème, c'est que pour moi, la difficulté, c'est qu'évidemment, l'histoire de Tristram, l'histoire de Léoric, et bah tout simplement, c'est l'histoire de Diablo 1. Donc évidemment, je vous conseille, bien entendu, d'avoir regardé la vidéo sur Diablo 1. On va revenir sur plus... Je veux surtout pas tomber, comme ma vidéo sur Auriel, dans une redite de ce que j'avais déjà fait. Donc on va essayer de plutôt parler des origines plus que les événements de Diablo 1, plus les origines de Léoric et comment il a installé son pouvoir. Et après, bien sûr, on devra rappeler un petit peu comment il est mort, mais on attaquera pas du tout ce qui se passe dans Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3. Donc voilà pour le petit aparté pour remettre les choses dans le contexte, et la vidéo devrait être beaucoup plus courte, en tout cas je l'espère. Donc nous allons bien sûr parler de celui que l'on nomme Léoric, le roi noir, ou Léoric, le roi squelette. Il a eu plusieurs dénominations, et Léoric, bien sûr on retient sa forme de boss, on va dire sa forme de squelette, mais Léoric c'était à la base un roi qui est bon et qui pensait au peuple et qui avait, on va dire, toutes les qualités requises pour faire un grand monarque. Et donc on va revenir un petit peu aux origines de Léoric. Alors ça, c'est un des problèmes, on va pas se mentir, dans Diablo il y a déjà beaucoup de problèmes pour nommer des personnages, alors leur donner des noms de famille c'est compliqué, et Léoric n'a pas de nom de famille. C'est un petit peu triste, parce que c'est pour ça que je l'appelle la famille royale de Tristram ou la famille royale de Camp Duras, parce que eh bien on n'a pas plus de données que ça, en fait. On n'a pas du tout de données concernant le nom de famille. Et en tout cas, j'utiliserai ce très joli arbre, justement, qui est qui me semble c'est le livre, je sais plus si c'est le livre de Descartes Kane ou le livre de Tyrell, mais en tout cas il est cet artwork est officiel et justement montre un petit peu tous les enchevêtrements des principaux membres de la famille royale et surtout leurs plus fidèles alliés. Il manque juste Lagdanan, sinon on a quasiment toutes les têtes importantes de la famille, de l'entourage de Léoric. Alors dans l'ordre, à gauche, tout à gauche, on va faire de gauche à droite, tout à gauche, vous avez Adria qui sera tout simplement la compagne de Aidan, que vous voyez un petit peu vers la droite, un petit peu en dessous. Non, je vais vraiment faire de gauche à droite, ce sera plus simple. Du coup, Adria qui sera tout simplement l'un des apôtres et l'un des plus fidèles compagnons de Diablo, et qui sera la compagne d'Aidan. Je reviendrai juste après sur Aidan. Nous avons Léa, du coup, qui est la petite fille de Léoric. Nous avons juste à côté, et bien tout simplement, la femme de Léoric, et donc la grand-mère de Léa, qui est tout simplement la reine Alisa. Nous, juste en dessous d'Alisa, nous avons donc Aidan, le fils de Léoric, qu'on l'aime également le rôdeur noir et le chevalier de Diablo 1, et qui est le père de Léa. Nous avons ensuite au centre, et bien sûr celui qui nous intéresse aujourd'hui, Léoric, donc le roi du camp d'Uras et du coup le monarque de Tristram. Nous avons ensuite, avec cette espèce de petit col, nous avons Lazare, qui est tout simplement l'archevêque Lazare, donc le grand conseiller, le principal conseiller même de Léoric. Juste en bas, en dessous de Lazare, nous avons le deuxième fils de Léoric qui s'appelle Albrecht, ou Albrecht. Ma prononciation des noms allemands peut être un petit peu difficile. Et tout à droite, c'est normalement quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Descartes Kane. Donc Descartes Kane n'est pas direct, comme tout comme Lazare et Adria ne sont pas direct. Enfin, si Adria pour le coup est relié à la famille de Léoric, mais sinon les deux autres, ce sont principalement des conseillers qui ont eu un rôle à jouer, bien sûr, dans l'administration du gouvernement de Léoric. Pour le coup, ils ne sont pas issus de la famille du roi. Adria, elle, n'a jamais été mariée à Aidan, mais bien sûr, ont eu une liaison qui a abouti à la naissance de Léa, la petite fille de Léoric, que Léoric n'a jamais connue d'ailleurs, puisque Léoric était déjà mort quand Aidan a fait goulou-goulou dans la case avec Adria. Donc, voilà pour la famille, on va dire, encore bien portante de Tristram, et on va revenir plus en détail juste sur le petit arbre généalogique. Donc comme je le disais, Léoric c'est le père, enfin c'est le grand-père, donc c'est le patriarche, le monarque, tout ça, celui qui deviendra le roi fou et qui deviendra tout simplement le roi squelette. Nous avons donc les deux enfants, Aidan, Albrecht, et la compagne d'Aidan, donc Adria,
ainsi que leur enfant Léa. On reviendra sur Léa à la fin de cette vidéo. En attendant, commençons bien sûr par les origines de Léoric, comme on le disait. Léoric, tout simplement, je vais vous afficher la carte juste après, mais Léoric n'est pas issu du camp d'Uras. C'est vrai qu'on pourrait dire, bah, c'est le roi de camp d'Uras, c'est le roi du camp d'Uras, donc forcément, eh bien, c'est logique qu'il soit né au camp d'Uras. Eh bien, pas du tout. Léoric, il est né au Kedjistan. Donc le Kedjistan, c'est notamment un des endroits qu'on reverra à Diablo 4, et peut-être qu'il y aura justement plus de choses concernant le départ de l'exode de Léoric. Et peut-être justement la ville natale de Léoric, ça pourrait être assez intéressant. Donc Léoric, c'est un seigneur de guerre, donc c'est un commandant d'armée, tout simplement. Il avait sa petite armée locale au Kedjistan. Enfin, quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça d'ailleurs, mais donc c'est un seigneur de guerre local. Et au final, eh bien, il est très croyant hein, dans l'église du Zakharum. J'ai fait une vidéo sur Johanna, les croisés, l'église du Zakharum. Je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Mais c'est un fervent croyant et il veut justement eh bien, servir l'église du Zakharum et notamment eh bien, essayer de convertir des peuples qui ne sont toujours pas qui ne sont pas à la tout simplement touchés par la lumière du Zakharum. Donc c'est ce qui va mener à la rencontre avec Lazare, ou Lazarus, qui est tout simplement l'archevêque qui va être, comme je l'ai dit, l'un des principaux conseillers du roi du camp d'Uras, donc de Léoric, hein, bien sûr. Et au final, Lazare, il va être également envoyé par l'église du Zakharum. Ça sera son prince. En fait, ce sera l'intermédiaire entre Léoric et l'église directement du Zakharum. Il y aura plus de détails concernant Lazare. On va en revenir un petit peu après, mais bien sûr, c'est la vidéo sur Diablo. Enfin, c'est la vidéo de Diablo 1 où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lazare, puisque Lazare, c'est la principale cause de ce qui va se passer dans Diablo 1. Donc nous avons, en fait, tout simplement, comme je l'ai dit, Léoric qui va commencer sa croisade, donc sa pérégrination de l'est à l'ouest. Donc comme vous le voyez, il part du Kedjistan d'ailleurs, vers l'ouest, vers le camp d'Uras. Le truc, c'est que le camp d'Uras, donc au camp d'Uras, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs petits royaumes locaux qui sont parfois en paix, parfois en guerre avec le grand royaume de Westmarch, hein, celui qui est bah, tout à l'ouest, hein, Westmarch, tout à l'ouest, pas trop de pièges là-dessus. Il faut savoir que le royaume de Westmarch est déjà inféodé à la, on va dire, à l'église du Zakharum, donc c'est déjà eux des croyants et des défenseurs de la foi, alors que les petits royaumes du camp d'Uras, à ce moment-là, eh bien eux, même s'ils ont des relations commerciales, ne sont pas du tout des fervents partisans et des croyants tout simplement de l'église du Zakharum. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Léoric envoie son armée pour essayer de convertir le peuple là-bas. Alors, donc il faut imaginer que c'est plein de petits royaumes, c'est pas encore le grand royaume du camp d'Uras, c'est plein de petits seigneurs locaux, plein de petits rois qui vont résister tout simplement à l'arrivée de Léoric. Et Léoric, bah, il vient pas tout seul. Hein. Léoric, comme je l'ai dit, c'est un véritable exode et c'est une croisade hein, tout simplement qui va partir d'est en ouest avec tout simplement donc eh bien son armée de chevaliers, ainsi bien sûr que des prêtres de l'église du Zakharum. Et c'est pas que des combattants, il y a aussi tout simplement leurs familles, les familles des chevaliers, les familles des prêtres, etc. Le truc, c'est que, et même peut-être certains colons qui juste ont envie de récupérer de nouveaux territoires. Faut savoir que le Kedjistan, il y a certains endroits, c'est un peu aride, ça peut être un petit peu difficile. Donc on peut imaginer, un petit peu à l'image tout simplement de la conquête de l'Ouest et tout simplement les flux de migration de l'Europe vers l'Amérique. Et bien peut-être que certains avaient juste envie de trouver de nouvelles terres à cultiver, de nouvelles terres habitables pour y fonder une famille. Donc en tout cas Léoric va faire marcher ses contacts, etc., pour envoyer quand même une force d'expédition assez colossale. Et une fois qu'il arrive au camp d'Uras, il va y établir plusieurs bases, et notamment c'est probablement en passant par Ludgolain. Alors on sait pas si c'est Léoric qui a fondé Ludgolain, enfin Ludgolain était déjà présent avant, on sait pas si par contre il aura, on va dire, augmenter la taille de Ludgolain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y est forcément passé, je pense, puisque c'est quand même un des ports on va dire, les plus importants de l'univers de Diablo et du monde de Sanctuaire. Donc en tout cas, on connaît pas exactement tous les détails hein, de l'exode de Léoric, mais il est probablement passé par Ludgolain. Et il a continué sa marche vers l'ouest et il va s'y établir donc ses bases. Et il va commencer sa conquête tout simplement du camp d'Uras en attaquant les différents petits rois, les petits royaumes, et il va les faire tomber les uns après les autres. Alors, on n'a pas masse détails sur comment il accède justement à la
plus haute marche. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est écrit quand même dans le sang, mais il est possible aussi que d'autres rois, eh bien, tout simplement, se soient soumis à l'autorité de Léoric et soient devenus des seigneurs locaux à qui Léoric a prêté, à qui Léoric a confié des terres. Donc il est probable, puisque Léoric il est décrit comme un très très bon seigneur, hein, un très bon combattant, donc un grand général d'armée, très pieux, mais également doté, des, comme je l'ai dit précédemment, de grandes valeurs. Et il est fort probable que justement, en tant que souverain magnanime, il est, si jamais l'adversaire se rend, eh bien, il l'épargne bien sûr et ne le tue pas. Donc il est probable, avec le système de féodalité, qu'il ait justement qu'il soit devenu des vassaux pour Léoric. Donc, en tant que suzerain, eh bien, il amène avec lui, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, plein de chevaliers. Et l'un des chevaliers les plus connus, l'un des plus illustres combattants qui combat sous la bannière de Léoric, nous avons Lacdanan, qui était absent justement de l'arbre. Et c'est un peu dommage, puisque Lacdanan, c'est tout simplement un petit peu le chevalier idéal des légendes arthuriennes. C'est tout simplement l'un des bras droits, parce qu'on ne connaît pas tout le monde en détail, mais c'est clairement l'un des bras droits de Léoric. Et ça deviendra tout simplement le chef de la garde royale et le grand général de son armée. Et il aura un rôle très important dans la suite de l'histoire de Léoric. On y reviendra juste après. Donc dans ces différents chevaliers, eh bien, certains vont s'établir sur place et se marier avec des femmes locales. Ce qui est important, c'est, on y reviendra un petit peu, c'est que Léoric, eh bien, lui, il est venu sans famille. Enfin, peut-être qu'il avait un frère ou autre. Là-dessus, on n'a pas encore, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus des milliers de détails. J'imagine d'ailleurs peut-être que la série. Il y avait toujours des rumeurs et plus que des rumeurs concernant une série Diablo. Peut-être. Ça pourrait être intéressant que ce soit justement sur Léoric et sur l'instauration, enfin sur le début justement de cet exode, la croisade et vers le règne de Léoric au camp d'Uras. Je n'y crois pas du tout, je pense que ce sera sur une autre période, mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant de voir comment il monte, on va dire, dans l'échelon social. Ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, Léoric, sur place, comme on l'a dit, va combattre les différents royaumes. Et une fois qu'il aura vaincu une bonne partie des seigneurs locaux, il va s'autoproclamer roi du camp d'Uras. Tous ses soldats, toute son armée, ils voient quelque chose de tout à fait... Enfin, c'est tout à fait légitime qu'il devienne le roi du camp d'Uras. Et bien sûr, il a en plus la bénédiction, hein, sans mauvais jeu de mots, de l'église du Zakharum. Donc, il ne sait pas encore exactement où il va s'installer. Je vais vous remontrer la carte, hein, si vous voulez. Mais on a tout simplement, eh bien, Lazare, donc l'archevêque Lazare, qui va conseiller à Léoric de s'installer à Tristram, qui pourtant est un petit peu, pas forcément au centre du camp d'Uras. Donc c'est un choix que tout le monde, en tout cas de l'époque, considère comme étrange, puisque c'est pas forcément une place centrale, on va dire, du royaume du camp d'Uras. Mais c'est vrai que c'est une ville assez vieille, puisqu'elle avait été, lors de l'exil noir, créée par les Oradrim. Et il y a bien entendu une petite chapelle, enfin, une petite abbaye qui commence à tomber en ruine. Tout simplement, l'église de Tristram est celle qui deviendra plus tard la cathédrale de Tristram, puisque Léoric, en tant que très bon suzerain, donc il va entamer des pourparlers, des négociations aussi avec ses royaumes frontaliers, notamment par exemple Westmarch, avec lequel il va commencer de très bonnes relations commerciales et tout simplement des bonnes relations diplomatiques. Même si parfois, bien sûr, ces deux royaumes, il va y avoir quelques petites frictions, globalement, on va dire qu'il y a une relation très cordiale entre le royaume de Westmarch et celui du camp d'Uras. On sait par contre que le royaume du camp d'Uras pouvait être un petit peu inquiété sur ses frontières nord, avec différents autres seigneurs locaux qui restent rebelles, on va dire, à l'église du Zakharum et à Léoric. Et c'est fort probable que d'ailleurs, si Lazare n'avait pas précipité la chute de Léoric, il y ait pu avoir peut-être d'autres croisades pour étendre le royaume du camp d'Uras vers le nord. Ce qui est sûr, c'est qu'il va complètement administrer d'une main de maître le camp d'Uras, notamment en améliorant la ville de Tristram, faisant passer l'église délabrée en cathédrale, en aménageant un petit peu les catacombes, en augmentant, on va dire, les ports frontaliers, enfin tout simplement le territoire frontalier, des tours de guet, etc., pour surveiller le nord, surveiller les menaces venues du nord et autres. Continue aussi la route commerciale entre Westmarch et Ludgolain. Donc vraiment, sous le règne de Léoric, eh bien, tout le monde, qui pourtant, hein, je le rappelle quand même que dans le peuple du camp d'Uras, la plupart, même si bien sûr il y en a qui viennent de l'Est et du Kedjistan, la plupart ce sont des locaux, et les locaux, bah, ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'un monarque étranger. Donc au final, Léoric, par son règne, par ses actions, par sa noblesse de cœur, mais également d'esprit, bah, il va réussir à
créer un véritable peuple et véritable, on va dire, une véritable loyauté de son peuple vers le monarque. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et en plus de ça, malgré qu'ils viennent avec cette idée de conquête et cette idée justement donc d'essayer de j'allais dire christianiser, mais c'est pas christianiser, mais on va dire tout simplement cette idée de convertir à l'église du Zakharoum les locaux, eh bien au final, on sait par exemple qu'il y a les sœurs de l'œil aveugle, ce qu'on appelle également les rogues, qui sont des anciennes colons tout simplement amazones, qui sont je vais remettre la carte, ce sera peut-être plus simple aussi encore une fois, parce que sinon ça fait pas mal de lieux. Vous voyez le monastère qui est à l'est de Tristram, c'est tout simplement le monastère de l'œil aveugle. Donc ce sont des colonies de Skovos, puisque Skovos c'est les îles des Amazones, j'ai fait une vidéo sur les Amazones. Et en gros, et bah pourtant ce ne sont pas du tout des adeptes de l'église du Zakharoum. Et malgré tout, les Auric, tant qu'elles embêtent personne, eh bien les Auric y voient absolument aucun inconvénient, qu'elles gardent leur foi. Donc ça prouve quand même que les Auric justement a des relations, est un souverain, on va dire, très intelligent et qui est capable de s'adapter en fonction de la situation. Et également pour apaiser les natifs du camp du Ras, eh bien les Auric, il va tout simplement fonder aussi sa propre famille. Il va épouser une native du camp du Ras, à savoir la reine, la future reine donc, Aliza. Aliza qui est quand même ce qui est assez intéressant. Azila, pardon, j'ai dit Aliza mais c'est Azila. Et Azila, j'arrive jamais avec son nom, hein, la pauvre monarque, la pauvre reine du camp du Ras. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle vient de la ville d'Ashwold. Et Ashwold, c'est tout simplement, ou Ashwold, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais en tout cas Ashwold, c'est une des villes du camp du Ras. Et c'est d'ailleurs une des villes que l'on découvrait un petit peu plus dans le Diablo Immortal. Et la reine, eh bien, elle est dit comme étant une très bonne, enfin une très belle souveraine, et également elle va combler de joie le cœur de Léoric. Donc il y a vraiment un amour assez intense entre les deux personnes. Et de cette union, de ce mariage, eh bien vont pousser deux graines, à savoir le fils aîné, le prince Aidan, qui sera, je le rappelle, le guerrier de Diablo 1. Ainsi, donc le fils aîné qui ressemble un petit peu plus, que ce soit physiquement ou de personnalité, à son père, à Léoric. C'est pour ça d'ailleurs que Léoric sera beaucoup plus ferme, on va dire, à son égard, parce qu'il doit hériter de la couronne. Donc Aidan va rentrer dans l'armée, il va participer à différentes campagnes de Léoric. Et il est dit que justement, il ressemble beaucoup à son père à ce niveau-là, puisqu'il est également plein d'honneur, c'est vraiment le chevalier un petit peu modèle, Aidan. À côté de ça, nous avons donc toutes les mêmes valeurs que véhicule son père, hein, beaucoup de croyances, respecte les autres, etc., etc. Et nous avons le deuxième enfant qui est Albrecht qui ressemble davantage à sa mère pour le coup, et qui est considéré un petit peu comme le petit rayon de soleil de ses parents, donc qui serait d'un tempérament plus joyeux, jovial. Et au final, eh bien, on verra, mais il aura aussi un rôle très important dans la chute de Tristram. C'est justement, comme on l'a dit, c'est Lazare qui a fait en sorte que la cour s'installe tout simplement à Tristram. Et au final, dans les catacombes de la cathédrale de Tristram, notre cher Lazare va rentrer en communication avec Diablo, qui est enfermé dans la pierre, dans sa pierre d'âme tout simplement. Et Diablo va lui donner les instructions pour justement réussir à corrompre le cœur du monarque. Donc c'est à ce moment-là en fait que le plan est établi. Il va falloir retourner Léoric et en faire tout simplement le vaisseau, l'instrument du retour de Diablo. Le truc, c'est que Léoric, comme on l'a dit, c'est un personnage vraiment emblématique de l'univers de Diablo. Et pas que pour rien, puisque même s'il va avoir un destin très tragique, et ben il va résister à l'influence de Diablo. Et il ne sera pas tout simplement le pantin de Diablo. En tout cas, pas comme on l'entend, puisque normalement, et bien, en cas de possession, Diablo prend le contrôle du corps de Léoric. Et Léoric ne peut plus rien faire. Et bien, Léoric va résister à la possession de Diablo. Honnêtement, alors il faudrait que je fasse encore plus de recherches, mais je pense qu'il y a très peu de personnes dans l'univers de Sanctuaire qui ont résisté à une possession. Léoric, en plus, il n'a pas résisté à n'importe quelle possession, pas juste à un démon lambda, l'un des seigneurs démons primordiaux, donc pas de problème. Et c'est qu'un simple humain, ce n'est qu'un simple mortel, et il a résisté à l'influence du seigneur de la terreur, donc c'est pas rien.
Mais malgré tout, même s'il ne se fera pas posséder directement, il va avoir de profondes séquelles. Et il sera marqué à jamais du toucher mortel de Diablo, puisque malgré qu'il résiste à la possession de son corps, son esprit, lui, va être complètement morcelé, il va être détruit, il va être oblitéré. Ce qui fait que, justement, il deviendra qu'une marionnette aux mains de Lazare. Et surtout, Diablo va pouvoir utiliser un petit peu Léoric comme catalyseur pour instiller la peur, la terreur et retourner totalement Léoric par rapport à son comportement. Là où il était un souverain honnête, juste et magnanime, eh bien on va avoir tout simplement un seigneur qui va être totalement caractériel, complètement bipolaire, hein, parfois avec des crises de rire, beaucoup de jovialité comme il l'était, et ensuite tomber complètement dans une paranoïa complète où il va soupçonner certains de ses chevaliers comme des traîtres qui voudraient l'assassiner. Il va avoir des colères noires, etc. Donc il devient totalement l'antithèse de ce qu'il était, et petit à petit sombrer dans la folie la plus meurtrière et la plus noire qui lui pouvait arriver. Et du coup, justement, pour essayer de que sa folie reste pas non plus secrète, mais que sa folie ne soit pas contrôlée par son entourage, Lazare va comploter pour tout simplement fragiliser les relations diplomatiques entre Westmarch et Tristram, enfin, et le camp d'Uras, pardon, j'allais dire Tristram, mais le camp d'Uras, puisque Tristram c'est la capitale du camp d'Uras. Et au final, eh bien, la guerre va être déclarée entre Westmarch et le camp d'Uras. Léoric, alors on connaît pas tous les détails, mais en gros il y a eu plusieurs opérations qui font que Léoric soupçonne que Westmarch souhaite attaquer le camp d'Uras, ce qui est évidemment faux, même s'il est possible, on l'a dit, hein, c'est possible, comme il y a plein de relations, qu'il y a eu des petites frictions ou quoi que ce soit, mais en tout cas, Lazare va faire en sorte que ces frictions apparaissent comme des véritables agressions qui pourraient mener à une guerre ouverte, et du coup, eh bien, Léoric va prendre les devants et attaquer le Westmarch. Westmarch est très très riche, est un royaume très prospère, l'armée de Westmarch, enfin, ça fait très longtemps que Westmarch résiste à de nombreuses invasions, ça va pas être simple pour le camp d'Uras d'attaquer Westmarch, malgré l'expérience militaire de l'armée du camp d'Uras, et au final, eh bien, Aidan et Lokdanan vont mener l'armée du camp d'Uras vers l'ouest, et il va y avoir de différentes batailles entre les deux royaumes. Le but de Lazare est simple, le but c'est justement d'éloigner, on va dire, ceux qui pourraient opposer une résistance et qui pourraient avoir, on va dire, l'œil, enfin l'oreille plutôt attentive de Léoric, et ce qui fait que Lazare deviendra tout simplement le seul maître marionnettiste pour pouvoir mieux contrôler l'esprit de Léoric. Il y a un parallèle qui est à faire tout simplement avec la relation Léoric-Lazare avec tout simplement Théoden et Grima Langue de Serpent, avec également on va dire Grima Langue de Serpent, donc dans le Seigneur des Anneaux, qui représente tout simplement l'intermédiaire entre le roi, donc Théoden du Rohan, et au final son maître Saruman, qui là par exemple serait beaucoup plus Diablo, même si bon, Saruman Diablo ça se ressemble moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le physique de Léoric, un petit peu à l'image de Théoden, va complètement changer suite à l'influence de Diablo et à la folie dans laquelle il tombe. Là où on avait un seigneur très droit, très noble, très beau, il va petit à petit prendre plein de rides, alors qu'il n'est pas encore il a pas la soixantaine ou quoi que ce soit. Ses cheveux deviennent blancs, il est vraiment ridé de partout. On pourrait imaginer je pense aussi que la santé commence à être un petit peu vacillante, et son hygiène corporelle pareil, ce qui fait que eh bien Léoric devient tout simplement encore une fois l'inverse de ce qu'il était, et il va commencer à mettre à mort, on le disait, il avait des crises de paranoïa, il va commencer à mettre à mort certains de ses serviteurs, et ça va prendre de l'ampleur petit à petit, ça va monter crescendo, et il va commencer même à tuer des paysans qui n'ont strictement rien fait. C'est de là que viennent certaines des plus grandes citations de Léoric, à savoir le « à genoux pécor », et bien ça vient de là, puisqu'il les mettait à genoux, et il les tuait tout simplement, donc il faisait mettre à mort ses serviteurs et des paysans, et c'est ces crises de folie qui vont lui donner le triste titre, je dirais, de roi noir. Donc le roi noir de Tristram, le roi noir du camp d'Uras, Léoric qui était pourtant le juste, le bon avant, devient Léoric le roi noir. Mais c'est pas fini, parce que dans sa grande folie, il va même tout simplement faire assassiner sa femme. La belle et tendre reine qu'il aimait tant va être encore une fois victime de la paranoïa instillée par Lazare et Diablo, tout simplement, et du coup Léoric va faire assassiner sa femme, la belle reine, et au final Azila sera décapitée,
et on la reverra sous forme de fantôme par la suite dans les Diablos. Avec la, on va dire avec la guerre contre Westmarch, les armées du camp d'Uras vont petit à petit perdre, malgré que ce soit elles qui agressent, et bien elles vont petit à petit essuyer défaite sur défaite, et à un moment donné Lac-Danan va revenir avec ses chevaliers parce qu'il apprend qu'il se passe des choses terribles, et quand il apprend la mort de sa reine, il est fou de rage Lac-Danan, et il veut demander des explications à son roi, hein, puisque je rappelle que Lac-Danan c'est un petit peu le chevalier modèle. Quand il ne croit pas du tout à cette folie, il a envie de constater par ses propres yeux ce qui se passe. Et quand il revient du coup à Tristram, il voit que tout change avec la corruption latente de Diablo. Il voit que les gens sont effrayés, ils commencent à voir de la folie un petit peu partout. Et il se rend compte qu'au final, Baléoric est en train de perdre la tête, et il va essayer de lui faire entendre raison, au départ bien sûr par les mots, et à la fin Léoric va carrément dire que Lac-Danan et ce chevalier sont des traîtres, ils sont venus pour l'assassiner et autres, il va y avoir des différents duels avec des gardes royaux de Léoric, et finalement Lac-Danan va tout simplement assassiner son roi, donc il va devenir le régicide Lac-Danan, et au moment, aux portes de la mort, Léoric, dans sa grande folie, va complètement maudire Lac-Danan et ses chevaliers, et ce sera son dernier acte en tant que vivant. Malgré sa folie, Lac-Danan ainsi que la cour royale va enterrer Léoric avec les honneurs de son rang, avec les honneurs qui lui sont dus, donc des honneurs royaux, et il va être enterré dans sa crypte. Et le problème c'est que quand il va être enterré dans la crypte, Diablo va interagir directement, il va tout simplement utiliser ses pouvoirs pour réanimer Léoric. Même dans le repos éternel, il ne trouvera pas justement le repos, il sera ressuscité en tant que mort-vivant, et il va revenir sous la forme du roi squelette, et les anciens gardes qui l'ont tué ainsi que ses propres gardes royaux vont succomber sous les coups du roi Léoric, armé de son immense masse. Et ils vont revenir en tant que mort-vivant, en tant que squelette, et il deviendra ils le serviront de nouveau dans la mort. Léoric, à ce moment-là, va hanter tout simplement les catacombes de Tristram. Et c'est à ce moment, juste avant aussi, mais c'était à ce moment précis que Lazare, puisque Diablo n'a pas réussi à posséder Léoric, Diablo va tout simplement posséder le fils. Alors, le fils aîné étant parti à la guerre, Aedan étant parti à la guerre, il va tout simplement posséder le fils cadet de Léoric, à savoir Albrecht, qui sera beaucoup plus simple et malléable pour Diablo. C'est ainsi que Léoric meurt et succombe. Sa vie, enfin on va dire, ses actions ne sont pas terminées, mais là vous les reverrez bien davantage dans l'histoire de Diablo 1 et dans l'histoire de Diablo 3. Donc, récapitulons un petit peu le destin tragique de la famille royale du camp d'Uras. Nous avons tout d'abord Léoric qui est devenu le roi squelette, hein, que vous voyez au centre, et on va refaire la même chose, on va partir de gauche à droite. Donc Adria qui deviendra tout simplement un démon, hein, puisqu'Adria deviendra en gros l'apôtre de la fin des temps, puisqu'elle ramènera Diablo à la vie quand il sera battu dans Diablo 1, Diablo 2, et il reviendra donc dans Diablo 3. Nous avons Léa qui deviendra le vaisseau, qui deviendra tout simplement le corps dans Diablo 3 de Diablo. Nous avons ensuite la pauvre reine qui a été décapitée, c'est pour ça que vous voyez sa tête qui est au-dessus de son corps. Vous avez Léoric, le roi squelette. Vous avez Lazare qui deviendra l'archevêque de sang, en fait, hein, dans les cryptes, qui sera tué donc dans Diablo 1 par Aedan, notamment. Hein, Aedan ainsi que Morena en Blood Raven as a Summoner, donc Jezreth, qui vont tout simplement tuer Lazare dans l'épisode de Diablo 1. Nous avons ensuite Albrecht qui sera tout simplement le premier vaisseau, le premier corps possédé par Diablo. Et enfin nous avons Descartes Kane qui sera tué par la cabale dans Diablo 3. Ce qui est à noter, c'est que les enfants et les petits-enfants de Léoric seront tous, tout simplement, puisque vous voyez Aedan également que j'ai oublié sous sa mère, qui deviendra le rôdeur noir et qui deviendra également le deuxième corps de Diablo. Donc en gros les deux enfants de Léoric et sa petite fille seront à chaque fois les vaisseaux de Diablo, et tout simplement ils seront possédés, donc un destin très tragique, puisque à l'heure actuelle il n'y a plus aucun membre survivant de la famille maudite de Léoric, de la famille royale du camp d'Uras, ce qui est assez tragique.
Bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo de Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 pour plus de détails concernant, mais surtout Diablo 1 pour plus de détails concernant justement la fin des différents membres de la famille royale. Mais peut-être que Léa reviendra, puisqu'on sait que son âme est emprisonnée en enfer. Peut-être qu'elle reviendra, mais ce qui est sûr, c'est que tous les autres, eh bien, ils sont perdus. Et c'est vrai que c'est assez tragique. Et j'aimerais bien voir cet épisode potentiellement. Alors, je pense pas que ce sera en série, mais j'aimerais bien, j'avoue, s'il devait y avoir une série Diablo, j'aimerais honnêtement que ce soit sur les origines justement de Tristram. Pas forcément sur Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, parce que ça, je pense que c'est vraiment. Faut laisser ça aux jeux vidéo, mais plus, on va dire, l'origine du mal, un petit peu, avec Léoric qui serait montré comme un souverain juste et droit avec toute sa famille, et que petit à petit, par la présence justement de Diablo, et eh bien on les voit succomber et les voir se transformer en l'inverse de ce qu'ils étaient. Ce serait, je pense, un sujet plutôt intéressant à traiter plutôt que de essayer de refaire Diablo 1 et autres, ce qui pourrait être un petit peu difficile à mes yeux. Donc voilà, cette vidéo, je l'avais dit, elle allait être relativement courte par rapport aux autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en saurez plus, bien sûr, sur l'histoire de Léoric dans Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je referai un sondage pour savoir justement quelle sera la prochaine vidéo qui vous plairait concernant l'univers de Diablo. Donc très probablement entre Sonia les barbares, Karazim et les moines, peut-être Nazibo les féticheurs et autres. Donc voilà, faudra rester vigilant. Je crois qu'il faut activer la cloche pour avoir les notifications justement sur ce genre de sondage. Mais en tout cas voilà, je vous ferai voter pour savoir quelle sera la prochaine. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à suivre, tout simplement sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube. Je fais plein de bisous. Et abonnez-vous bien entendu. Vous pouvez vous abonner. Voilà, bisous.